Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Ravi encore d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de notre chère patrie, notre pays, la République démocratique du Congo et tout ce qui se passe actuellement, s'il vous plaît. Donc, nous sommes là pour réfléchir, nous amenons des solutions. Nous donnons ce que nous pensons, les choses, ce qui peuvent être faites. Biloko oyo to banzi ke kokiko salema, yangwana biso to lobelaka awa na Contact Pro Live. Je suis encore très très ravi parce que les idées que nous émettons, ce que nous pensons est en train de tomber dans les oreilles des décideurs. Bandeko, comme vous l'aviez lu dans le titre, nous allons parler de la territoriale, de la relance, de l'organisation de la base. Comment est-ce que nous devons organiser de la base? Je vous avais promis que non, na kolobela kalikambu oyo pour que to asseoir mboka na biso na ba fondation moko oyo eza solide. Je suis content aujourd'hui que le gouvernement actuellement ba ndipe koyeba kozwa conscience que non, mboka na biso ekotonga makaka na Kinshasa te, mais nous devons faire des projets qui vont être répliqués dans les 145 territoires de notre pays. Yangwana ba lancé projet wana parce que nous l'avions déjà dit ici. Bato balobela ngai balandaka ngai depuis Bandeli. Je vous avais dit que l'organisation de la base était la clé pour le développement de notre pays et qu'il fallait commencer par là. Donc biloko ona lobaka yangwana zo ko rappeler bino tango bomoni yangwana ba information bo kanisaka ngai. Pensez à moi parce que Nous sommes sûrs que ce que nous sommes en train de dire est qu'on peut apporter solution dans le Kambu. Mais les autres Kolobelango n'a sens ni. Nous allons parler dans le sens où ce même gouvernement, Bazako Sala Likambu Oyo, va concevoir T. Ils sont en train de faire des choses de la honte. Nous allons en parler. Comment est-ce que nous pouvons réorganiser les 145 territoires? Parce que nous avions appelé. Et nous continuons à appeler à des assises. Bah, et donc, on a le bas qui va assises, bah, état généraux, y a bah, province, pour que tu relances, bah, économie, la bise, pour que tu redonnes pouvoir, na bah, province. C'est ça l'idée générale. Alors, et là, étant circoncis le sujet, je crois que vous comprendrez que Tokolobela, les 145 territoires, parce que gouvernement, au exact, Neyasika, il faut ça, là, na 145 territoires, pour y bah, Kosala Congo ezala ndenge nini. Projet wana kosalema ndenge nini. Nous allons en parler aujourd'hui pour essayer un peu d'expliciter. Parce que batu oyo, baza kosala likamwana, babenga kanga pe misusu mibale misato. Na yebisaka bino ke babenga nga likamwana ozomona ngo ndenge nini. Alors tokolobela ngo lelo, na ko essayer un peu kexpliquer bino comment est-ce que nous pensons. Ce n'est pas moi seulement parce que j'appartiens à un groupe. Des gens qui réfléchissent comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au peuple à la base afin que Babylon connaisse son consensus et banda kozwamaka très facilement. Prenons d'abord les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Congo Central, RAM, un mouvement citoyen interpelle Christophe Mboso. Et puis RDC lutte contre la surfacturation. Gilles Alinguette annonce le contrôle financier et physique dès janvier 2022. Avec des inspecteurs spécialistes en évaluation des bâtiments, des routes, ponts et écoles. On va sur actualité.cd pour avoir notamment utilisé la machine à voter Nangadike, la CENI de la RDC est parmi les meilleurs du continent. Dossier RAM, le député Claude Misare espère que la convocation de Kinshasa Madiba interviendra cette semaine. Congo profond, Kasaï central, le bureau Sesanga tombe. Depuis grève à l'EPST, de 8 mains et Tony Mwaba. On va sur 7 sur 7. Kinshasa, la plateforme de la société civile sensibilise contre les discours de haine tribale. Et puis, infrastructure, Alexis Kizaro présente des projets routiers aux investisseurs égyptiens. On va sur Radio Okapi pour
terminé. Mbujima et 144 adolescents ciblés pour la sensibilisation sur la santé sexuelle. Kananga, les inspecteurs largués sur terrain pour contrôler les cas d'absence des enseignants. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Voilà, mes chers amis. Bon, on a qui, donc, ce que nous avions dit, que base à la République démocratique du Congo, Ezali, les 145 territoires. Moi, j'ai dit ceci. Je ne voudrais pas ce que, donc, dans le projet Otozanango, que tu chambardes les sous-sous, ou tu kangisas les sous-sous, ba province, ou tu salato, ou kangisas, ba moussous, ou ba bande kolobake. Non. Revenons à la structure de 9 ou bien de 11 provinces qui étaient avant, parce que ba province moussous, Ezala qui minene. Donc, tout ça, là, disons, la province, 26 provinces, elle est qui est belée. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs. Nous avons tout un tas, donc, territorial, Nabiso et Vimba Makasi. Mais tant au total, quand nous prenons tous ces gens-là, Bato Bazana, chaque province, dans les 6 provinces, Bato Bazana, dans le territorial, Wana. C'est facile de connaître quels sont les agents de l'État qui travaillent dans un territoire ou bien dans une province. Chaque province, au commun, a ba province moussousou, ou ezan a ba territoire. Parce que nous visons beaucoup plus le territoire. Parce que ba assise, ba entité oyo décentralisée, il faut ezala ba province. Mais dans la décentralisation, nabiso, au commun, ezan entité. Et ça, semi-décentralisé. Et ça... Donc, la décentralisation n'a jamais été claire. C'est ainsi que beaucoup de la province Moussousou, et ça, les gens qui ont été banani, autonomie, et ça, vraiment, ko dépendre mingi na Kinshasa. Vous allez écouter tout le temps que non. La province, le comité provincial, wana banani, wana baza ko futa makaka na gouvernement central. Or, qu'est-ce que nous parlons de l'autonomie? Autonomie est anime, la décentralisation est anime. Et ça, ce qu'on signifie que non, la décentralisation, et ça n'a pas mesure, et ça n'a pas contrôle, et qu'on ne peut jamais reconnaître la Kinshasa. Il faut pas avoir l'autonomie, mon kobo ya décision. C'est là où nous parlons de pouvoir. Si les provinces peuvent se proclamer, balobi que non, le pouvoir n'a pas besoin de se limiter à eux. Aucun recours ne doit pas être fait à Kinshasa. Ba cacophonie oboza koyoka, eza na Mbandaka, eza na Congo central, eza na ba assemblée provinciale. C'est parce que Kinshasa continue à détenir tout. Kinshasa eza ko continue ko détenir biloko nyonso eza na province. Donc, décentralisation eza effective. Donc, il n'y a jamais eu transfert à ba pouvoir. C'est-à-dire quoi? Place on a défaut ba tout au Kanaka. Transférer à pouvoir, c'est-à-dire par exemple dans l'assemblée provinciale, où on va gérer la province. Et ça, on a une décision où le président de la République a dit qu'il n'y a pas. Président de la République a dit qu'il n'y a pas de côté. Et ça, on a une assemblée nationale, non. Et il faut pas avoir une autonomie, moko bo na ba niveau moko batone. C'est comme ça que nous appelons la décentralisation. Biloko wana soki kuna ba décidé que non, awa besoin de toko pona ou bien toko ba recourir que na kalisu soutena Kinshasa que non, muto gouverneur o ba longolier awa recourir que ko salema na. Pourquoi? Parce que Kinshasa continue à détenir le pouvoir, tous les pouvoirs de province. Oh, et là, quand on a des Belges, on va tiquer la biso. Les Belges nous ont laissé cet unitarisme à Kolobakeno. Même dans le contrôle, c'est Kinshasa qui doit venir contrôler les provinces. Donc, Bato Bazana province, Bazana Moussala Mokote, Bandeko. Pour revenir à notre sujet, là, je suis dans le cadre de la décentralisation pour vous comprendre que non. Pour que Bassise Yaba. Il y a état de lieu et à la effective. Il faut déjà qu'on définir le pouvoir et qu'on soukawapi et qu'on bandawapi.
pour renouveler la classe politique qui doit venir à Kinshasa. Bah vous connaissez Kinshasa au salanini. Il y a des édits au Yobasa là au Canada province bah assemblée provinciale na bah contrôle na bango. Ezala kate kaka keno. Gouverneur à cause la kaka contrôler na IGF faisons outa Kinshasa. Là ça biaise tout donc. Na gouvernement koto yo ya ba province ezali sous soit na makasi teza na pouvoir te ba assemblée provinciale za na pouvoir te muto ko ko za la kuna na province aza comme on le dit maintenant il est l'œil du président de la république aza président ya président la aza plutôt représentant ya président de la république c'est là le système que nous voulons changer c'est là le système que obiso tolingi ko bannir alors quel est le schéma que nous devons prendre pour bannir ce système ya kotia mutu na mutu azala na bande nae que mutu azala jamais ko sauter na bande oya ken de côté oyo batu pourquoi bazala kana mutu makasi na province parce que le président est l'homme à tout faire. Jusqu'aux administrateurs des territoires, c'est le président de la République qui nomme tout. Or, tout ce qui va continuer dans la Babiloko-Oyote, nous avons difficile à organiser les territoriales parce que la province est en pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir sur leur terre, ils n'ont pas le pouvoir sur tout ce qui se passe. Parce que ma décision n'y a pas de caca à Kinshasa. C'est ça le système que nous voulons que ici là. Et pour que ici là, nous devons appeler, qu'on rende conscience dans la base. Vous devez vous organiser, vous devez avoir vos richesses. Il faut monter la richesse, vous devez avoir vos programmes. Chaque territoire, il faut que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Et là, nous devons apporter le gouvernement central. Oh, rétrocession, il faut que ça soit. Si chaque fois, oh, rétrocession, oh, rétrocession. Pourquoi? Parce que le gouvernement central n'a pas le droit, même la régie des eaux. Les gens dans le province ne contrôlent même pas la régie des eaux. Même l'électricité, nani à SNEL. Jusque dans ces petites histoires, c'est toujours le gouvernement central qui fait ça. Mais le pouvoir du gouvernement central, si on a la constitution, l'aptitude du gouvernement central est belle plus que les aptitudes du gouvernement provincial. C'est pour cela que nous nous sommes dit. Le chemin à parcourir est en train d'organiser ma base. Alors, na revenir na eloko oyo boza kotanga que non président le premier ministre a lancé programme ya ko financer ba territoire nyoso. Ba pe bande ko eza soni. Pour aller de faire ba lobby bazo kende ko financer ba point à forage. Yamai. Ça, ce sont les travaux des ONG. Parce que l'entité Moko Bazana a été par quelque chose, le gouverneur, le premier ministre a inauguré forage d'eau au Ezako Kouté, je ne sais pas si c'est 215 000 dollars. Ça, ce sont les projets à ONG. Ce n'est pas ça le gouvernement. Le gouvernement doit organiser comment est-ce que pouvoir. Moi, je crois que c'est là. Moussala et ça, Moussala, gouvernement central, qu'est-ce qui devrait se faire? Attends, l'autre lobby, bon, chaque administrateur, ou bien chaque territoire, Topesi Bango, 1 million, 145 territoires, nous avons à peu près 145 millions auto-injectés dans votre territoire. Bandeko, est-ce que nous pouvons donner cet argent-là et espérer, dans le moment où tu es allé, toi espérer un résultat? Je ne crois pas. La chose la plus simple à faire, c'est réorganiser d'abord le climat des affaires dans les territoires. Il faut réorganiser les territoriales. Le territoire, il faut tout ensemble en leur disant que non, vous devez vous prendre en charge. Il y a un mécanisme de contrôle et de finance, il y a économie, il y a administration, il y a un mécanisme de pour que toi injecter mbongo pour que mbongo na tango ko
vous injecter. Bah tout déjà bas en place où bah yebi que non ah wa tosto kangi madusu mbongo soke ekoti ekosa la contrôler boe ekosa la ba dépense boe ba programme ni nango toza nango d'urgence pour nako développer territoire na biso nani nango to poni awa mutu oh awa biso to yebi que non mutu oh soki to tie lié to tie awa na système oh to ko créer na kati ya territoire na biso pour que mbongo oye kokota na mbongo oye toza ko espere ke ba resource na biso bandi ko ba ebanda kotia na ba kesi na biso ebanda ko produire na esala musala na kati ya territoire na biso biso batu na kati ya territoire to banda kozala ensemble po to travailler ensemble po to yokana kake non awa mbongo eza 1 million oyo voici nos programmes ke biso awa na territoire to se mettre d'accord que awa nde photo bongisa mzela o nde eza plus important courant to kozwa courant awa ndenge nini. Commenceront à travailler ensemble pour na ko rebuild, pour na ko développer territoire na bango, ba assemblée territoriale wa neza ko fonctionner, ba tu ba ko banda ko lamuka. Mutu te ko banda ko yiba, parce que quand vous êtes déjà na territoire, boyebi ke awa toza par exemple toza na 500 ou bien toza na 1500 agents à l'état, oyo baza en charge à territoire na biso ne mutu ko futa bango. Batou na batou, il faut vous aller à la budget. Imagine-toi Lelo, le budget qu'on a présenté au Parlement, on n'a pas tenu compte des provinces. Jamais ma province, parce que ma lobby, bon, ah, le budget n'a pas il y a année 2021-2022, ou bien 2022-2023, ça ce sont des projets que nous allons faire. Non! Kinshasa a décidé ça. Donc le gouvernement a kotika na ba laboratoire na ba sali texte moko ba keko présenté en na parlement sans tenir compte des besoins. Il y a ba province. Les provinces ne sont même pas concernées. Peut-être que je me trompe, mais na ndenge modèle o ba sala ki budget wana, vous allez voir que ce sont des chiffres qui sont biaisés. Baza ko imaginer kaka bon eza kaka 5 milliards ou bien 10 milliards ou bien ce que ba milliards wana, est-ce qu'ils ont tenu compte ya ba biloko o eza na région? Biloko wana, il faut aller réfléchir par où commencer. C'est ya wana tozo loba awa na contact pro life eza Sony kota la ke batu o baza ko linga ko kende justement na idée ya malamu. Mais ba keko banda na ngo mabe, il ne faut pas mettre l'argent devant au ba projet boite. Non, le grand projet o il faut que ça le ma eza ya administration eza ya unité nationale ya ba population. Pour passer là ensemble, pour que les gens puissent savoir comment est-ce que nous allons faire l'identification, par exemple. Il faut que la matière grise provienne des enfants de ces provinces. Il ne faut pas que le premier ministre puisse se targuer à Bimbeta Tolarobike, n'a qu'à inaugurer source d'eau, il y a fontaine, il y a une fontaine. Non! Pesa batuana mbongo, batuana bavana ensemble, ba yeba ke non, awa par exemple, il faut to tonga batima ya territoire na biso. Batima oye ko abrite combien de personnes,
où sortira l'argent? Quels sont les services que nous devons redynamiser dans le territoire Nabiso? Les gens mettent la charrue devant le bœuf en disant qu'il n'y a pas d'infrastructure, il faut d'abord que le gouvernement central puisse construire. Non, ils ont la cabongoté. La logique est en contact pour la Vézanine. Et ça, que les gens puissent constater eux-mêmes que ah bandeko, tozan est loco mon côté, tozan a bureau à ta mon côté, ah ou namboka namboka na territoire na biso ah tozan a loco côté, tozan a balabala té. Mais quels sont les mécanismes autoki kosala pour que tozan a na balabala? Quel est le projet que nous tokoki kolobakino ah tozan a besoin nzela e bandaboye e kendeboye e kendeboye e salaboye? C'est pour cela moi je dis toutes ces résolutions là devront venir na kati ya banani. Na kati ya ba état de lieu tant ou ba intellectuel ba kovanda ba kotia ba projet wana ensemble ba koloba biso awa na kati ya territoire ya Kenge par exemple ou bien na kati ya territoire ya Kwango, nous décidons que voici comment nous allons identifier nous sommes à combien ici ba tribu ba biloko na so bisabino eyebana ezate ke ba biloko eyebanite. Il y a des choses qui sont connues. Et que maintenant, Kinshasa va nous dire à côté qu'on a battu Bazala Kate. Non, vous allez trouver les chefs de secteur, vous allez trouver les chefs de clans, Batounou, surtout administration coloniale, Tiké Labissonou. Pourquoi est-ce que nous connaissons que non, Nakati Yaba province, il y a autant de territoires, et dans les territoires, il y a autant de secteurs, et. Babilo qu'on a maintenant au niveau du territoire, parce que quand ben gana na ba tu as secteur balobi ok na secteur fulani, toi ça na ebi toi ebi à côté kuna toi ebi ba tu tel ba tu as na boya si ko awa na territoire, toi ça la réunion, toi ça la état de lieu, ni niango ezali awa, ni niango zako kenete, ni niango faut ko bongisa. Qu'est-ce qu'il faut faire dans notre territoire? Tant que nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, nous sommes corporation, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Par exemple, dans le territoire, na biso richesse na biso biso nous sommes déclaré tout moni que non. Et ça, par exemple, Foufoua Manio, nous avons décidé maintenant comment nous sommes à côté quand nous à l'extérieur. Alors, dès que la base sera appropriée, de ses propres moyens et qu'il ait le pouvoir de se dire que non, awa biso to poni mutu tel, awa biso nde mutu to sali boy, bat biloko wana ba ya ko teleguide batu à partir ya Kinshasa et Kosila, et puis bat biloko wana koloba que non, mutu ako ya ko fungola, ko ya ko koluka kare minye awa, autaka Kinshasa tango ye kuna azako neglige batu na snaknani, et si la biloko wana ezako, yangone mutu ezako bomamboka na biso. Lorsque la base va se prendre en charge, va s'approprier, il y a ma politique, il y a développement, il y a territoire, nabango, vous allez voir que le changement de mentalité viendra aussi. Tu comprends facilement qu'il y a un kanaka. Parce que dans le modèle haut, tu as une influence. Oh non, tu as continué, tu as une influence. Mokonzi aza mungamba biso nde batu foto sala pour que mokonzi wana respecte biso parce que ba konzi na biso baza komone la biso il faut changer la donne. C'est pour cela encore une fois de plus je dis honte à ce gouvernement qui initie un projet sans que aye ba le tenant et les aboutissements ya projet wana ko financer ba les 145 territoires wana biloko amari kona baza ko sala iko simbate. Puis on a marqué ko inauguré kuna qui protégera ce puits là et kozala na maboko anani. Est-ce que les gens comprendront que tina nango atato conscientiser tant que l'homme congolais lui-même ne saura pas se dire que non o eza balabala na biso o eza mboka na biso tant que proud wana ko tika la et kozala e milieu tena nani na kati ya congolais atabo moko moko ko zwa makate. Tant que ba ko pesa responsabilité à ba territoire te balobi bino nde mutu boko s'identifier bino vous êtes le responsable de donner les cartes d'identité l'identité originelle na kati na bino moko boyebana botanga maboza combien kuna tant que le congolais n'arrivera pas à ce niveau là et lo komoko ko salemate. Donc je suis pratiquement
Ayuri, donc nazo tala na lobi me baba tu o bazo linga basala likambu tsusu. Eza y bonne idée de financer les 145 territoires, mais vous ne pouvez pas aller jeter de l'argent comme ça. Parce que batwana ba ko s'approprier na projet wanate. Il faut que ça sorte de la base, il faut que la base puisse d'abord, avant de financer, il faut que ces états de lieux là aient absolument lieu. Il n'y a pas de sortie. Ce qui est bon, c'est que réussir projet on a yako financé kaba 1 million on a na ba territoire on a, il faut d'abord que cet état de lieu ait lieu. Ba projet ya identification ya bateau bazaku na zandengeni et même les élections avant de pomper l'argent, il faut que préparer le système ya gestion ya ba territoire d'abord ezalandengeni. Qu'est-ce qu'il faut identifier tous ces gens là? Il faut que ces gens là s'identifient. Il suffit tout simplement de leur jeter la balle en leur disant toko financer ba territoire wana dès que nous connaissons que mbon wana toza ko bwaka yango te et ko bwaka. Et c'est comme l'argent que nous demandons à l'extérieur du pays tant que tozo zo mbon wana et ko kota na système moko o eza biaze mbon wesa la kelo ko moko te et o ko ta kana ba poche ba tu vas coller la lissouso non, tu vas causer banyongo, tu vas causer banyongo, tu vas ébater néni, tu vas salater. Les états des lieux des provinces, des territoires doivent avoir lieu avant qu'il quelconque financement financement à projet. Voilà, nous nous arrêtons ici aujourd'hui en remerciant tous ceux qui sont en train de s'abonner et partager cette émission. Vraiment, nous sommes de cœur, ça nous fait vraiment de la joie lorsque nous trouvons que bozako benga ngai, bozako benga, bozako tinda ba message d'encouragement. Et même ce qui nous injurie, ça nous fait du bien parce que quand tu nous injuries, c'est-à-dire que tu nous as suivis. Notre joie, c'est que tu puisses appuyer sur ces liens que vous recevez, que au fungole ango bandi kota la biso. Soko tali biso soki to sepeli siote ofingi toyebi ke non olanda ki biso, c'est ça l'essentiel et ça nous réjouit. Soki bao batinda ka, il y a beaucoup de gens qui nous envoient beaucoup de félicitations et ba j'aime belé, continuez à aimer si vous avez aimé, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et ko sala biso plaisir et ko pesa biso pe courage et on continue ko sala musala oyo. Merci beaucoup, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.